بشتى أطيافهم دائما، هذه الحالة أعطت وتعطي النتائج الجيدة، فنهنئكم على هذه النتائج الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم كل التوفيق والسداد في إدارة العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية من أجل نهضة تشاد باستمرار إن شاء الله. فخامة الرئيس، في هذا اليوم العظيم حيث الفرحة تعم كل المجتمع التشادي والمجتمع المسلم قاطبة، فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يتوجه بنداء حار إلى جميع الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي من النقابات والحكومة، وندعوهم إلى الاستماع للضمير من أجل الحوار الجاد والمخلص للوصول لحل يرضي الأطراف حسب واقع البلاد الحقيقي الذي تعيشه. فخامة الرئيس، إن تشاد أصبحت نموذجا يحتذى به في التعايش السلمي والحوار الديني بين جميع أتباع الديانات السماوية المختلفة لصالح الاستقرار في تشاد، ونؤكد لفخامتكم أننا ماضون في تطبيق توجيهاتكم لتذليل كل الصعاب التي تعترضنا، وخاصة الأمور التي تنشأ من الناحية الدينية. وهكذا إن شاء الله سنكون سدا منيعا لهذه الحالة في هذه العملية التي تضمن بإذن الله سبحانه وتعالى التماسك الاجتماعي القوي. والمجلس يؤكد لكم يا فخامة الرئيس، يؤكد لكم الشكر والامتنان لدعمكم السخي المستمر ماديا ومعنويا، حتى استطاع المجلس أن ينفذ برامجه الطموحة والكبيرة لصالح الوطن والمواطنين. فالفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لكم يا فخامة الرئيس. ومن هذا المنطلق، فإن أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعاهدونكم بالعمل الجاد والسحر المستمر لتنفيذ توجيهاتكم السديدة وبرامجكم نحو هذا المجتمع الذي قدمتم له الكثير والكثير. أعانكم الله سبحانه وتعالى لخدمة البلاد والعباد، والله سبحانه وتعالى يحفظكم ويرعاكم، وكل عام والكل بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que vous garde, permettez-moi en cette journée bénie de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak d'adresser à votre Excellence, en mon nom propre, au nom des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, des conseils régionaux, départementaux et sous-préfectoraux, ainsi qu'au nom des oulémas, des prédicateurs et imams, à travers vous, Excellence, ces vœux s'adressent à votre illustre famille, à votre gouvernement et à tout le peuple tchadien. Nous prions Dieu le Tout-Puissant d'accorder à notre pays, Excellence Monsieur le Président, et à toute la communauté islamique, plus de paix, de sécurité, de stabilité, de progrès et de développement. Excellence Monsieur le Président, que Dieu vous protège et vous accorde une parfaite santé et longévité, afin de continuer à servir cette nation pour laquelle vous avez beaucoup donné, cette nation pour laquelle vous vous êtes sacrifié longtemps pour la hisser haut sur le plan régional et mondial. Excellence Monsieur le Président de la République, nous vous félicitons pour vos réalisations et pour la main tendue en vue du dialogue national, précisément sous la 4e République, en vue de renforcer la stabilité sociale et politique et s'occuper de la construction nationale, du développement et du progrès de notre cher pays, le Tchad. Excellence Monsieur le Président de la République, votre sagesse et votre courage d'affronter toutes les difficultés et tous les défis et votre main toujours tendue vers les opposants ont toujours donné et donneront des meilleurs résultats. Nous vous félicitons par rapport à ces bons résultats et prions Dieu le Tout-Puissant de vous accompagner à conduire la gestion du processus politique, social et économique jusqu'à l'aboutissement de la renaissance du Tchad.
Excellences, Monsieur le Président de la République, en cette journée de joie au sein de toute la société tchadienne, plus précisément au sein de la communauté musulmane du Tchad, le Conseil supérieur des affaires islamiques lance un appel pressant à toutes les parties qui participent au dialogue social, des syndicats et du gouvernement, d'écouter la raison en vue d'un dialogue sincère qui aboutira à une solution qui satisfait toutes les parties et en tenant compte de la réalité de notre pays, le Tchad. Excellences, Monsieur le Président de la République, le Tchad est cité aujourd'hui comme exemple à suivre à propos de la cohabitation pacifique et du dialogue interreligieux pour consolider la stabilité et la paix. À cet effet, nous vous assurons, Excellences, Monsieur le Président, que nous allons continuer à appliquer vos orientations afin de poursuivre cette œuvre qui garantit la forte cohésion sociale. Grâce à Dieu, Inch'Allah, le Conseil réaffirme à votre Excellence ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour votre appui matériel et moral sans cesse qui nous a permis d'exécuter des ambitieux et vastes programmes dans l'intérêt du pays et du peuple tchadien. À ce titre, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques s'engagent devant vous ici, Monsieur le Président, à œuvrer et veiller sans relâche en vue d'appliquer à la lettre vos orientations et vos programmes envers toute la société tchadienne. Okulouam, Wangtoum Becher. Shukran Seyd Reis, Majlis al-Ashoun Islamiyya. Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques, distingués membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, mes chers frères, je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a comblés de son immense miséricorde durant le mois de Ramadan. Puisse sa grande félicité couvrir éternellement notre nation tout entière. Permettez-moi, chers frères ulama, de vous exprimer ma gratitude pour le vœu que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma modeste famille ainsi qu'à toute la République. En retour, je vous présente mes vœux les meilleurs, vœux de paix, de santé, de plénitude spirituelle et d'épanouissement individuel et collectif. Vas-y. السيد فضيلة الشيخ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السادة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأعزاء، أخواني الأعزاء، أود في بداية خطابي أن أشكر الله عز وجل الذي غمرنا بواسع رحمته خلال شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أيها الإخوة العلماء أن أعرب لكم عن امتناني للأمنيات الطيبة التي قدمتموها لي ولعائلتي المتواضعة وللجمهورية بأكملها. وفي المقابل أقدم لكم أطيب تمنياتي بالمزيد من العافية والصحة والسلام الروحي للبلاد بأكملها أفرادا وجماعة. Mes chers frères ulama, vous avez imploré le Tout-Puissant pour que la paix, la stabilité et l'union fraternelle entre les filles et les fils du Tchad demeure une réalité quotidienne. Ces vœux ardents sont assurément ce qui anime l'ensemble des enfants de ce pays. La refondation de notre nation, qui nous préoccupe tous, exige bien entendu un environnement paisible et stable. C'est dans la paix, la sérénité, la sécurité et l'unité que la nouvelle République pourra prospérer au bénéfice des générations actuelles et futures. C'est pourquoi nous devons cultiver sans cesse ces valeurs fortes, car la paix, la stabilité et la cohésion sociale sont des quêtes permanentes et des constructions de tous les instants. Nous devons veiller et surtout nous investir pour que ces précieuses valeurs se consolident davantage. Nous ne devons pas nous contenter des acquis,
car nous n'avons ni la maîtrise du temps, ni la conduite de notre destinée. أس أخواني الأعزاء أخواني العلماء لقد تضرعتم إلى الآلي القدير لكي يستمر السلام والاستقرار والاتحاد الأخوي بين أبناء تشاد وبناتها وأن تصبح هذه القيم حقيقية حقيقة يومية. هذه التمنيات والدعوات الصادقة هي بالتأكيد تلك التي تحرك جميع أبناء هذا البلد إن إعادة بناء أمتنا التشادية التي تهمنا جميعا يتطلب بطبيعة الحال بيئة سليمة ومستقرة وبالسلام والسكينة والأمن والوحدة يمكن أن تزدهر الجمهورية الجديدة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك يجب علينا وباستمرار أن نزرع هذه القيم القوية لأن السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي هي الأسس الأساس للبناء الدائم في جميع الأوقات. يجب أن نهتم وقبل كل شيء بالاستثمار في أنفسنا حتى تتعزز هذه القيم الثمينة. يجب أن لا نكتفي بالمحتوى المكتسب فقط لأننا لا نملك السيطرة على الوقت ولا نملك مصيرنا. C'est à une vigilance renforcée que je voudrais nous convier, mes chers frères, car il est question du devenir de notre grande et belle nation. Nous devons nous illustrer de manière permanente par des actes positifs et éviter soigneusement des attitudes de nature à semer la disanie et à porter un coup à l'harmonie sociale et au vivre collectif. Mes chers frères roumains, cet investissement qui a une totale dimension patriotique interpelle au premier chef le leader religieux que vous êtes. Dans cette phase historique de la vie de notre pays, vous avez la mission première de conscientiser nos compatriotes sur les enjeux et la portée de la paix, de la sécurité et de l'entente cordiale entre les Tchadiens. Comme je le notais à l'instant, la 4e République, dont la naissance a été unanimement célébrée, doit être portée par l'ensemble des Tchadiens. Les Aliques, الإخوة الأعزاء أود أن أدعوكم أيها الإخوة الأعزاء إلى اليقظة والاهتمام بتلك المكاسب لأنها مسألة مستقبل أمتنا العظيمة والجميلة. يجب علينا أن نعود أنفسنا باستمرار بالتصرفات والأعمال الإيجابية والبناءة وأن نتجنب بعناية المواقف التي يحتمل أن تزرع الشقاق وتسبب ضرراً للانسجام الاجتماعي والحياة الجماعية. أيها الإخوة الأعزاء، هذا الاستثمار الذي له بعد وطني شامل هو من الاهتمامات الرئيسية للقادة الدينيين الذين تمثلونهم أنتم. في هذه المرحلة التاريخية من حياة بلدنا تشاد تقع على عاتقكم أنتم أولاً المهمة الأساسية لرفع الوعي بين مواطنينا حول قضايا ونطاق السلام والأمن والتفاهم الودي بين التشاديين. كما أشرت قبل قليل يجب على الجمهورية الرابعة التي احتفلنا جميعا بمولدها أن تكون طريق لجميع التشاديين والتشاديات. Nous devons privilégier l'efficacité dans le travail qui est le chemin le plus sûr pour atteindre l'idéal tant recherché de l'émergence. Le sens élevé du travail que nous prenons doit être la manifestation matérielle de l'amour que nous portons à notre patrie. Point n'est besoin de disserter longuement sur la situation économique et financière du pays. Je suis convaincu que chaque travailleuse et chaque travailleur connaît parfaitement les diverses contingences auxquelles fait face le cas de ces dernières années. Mes chers frères, à cette exigence cardinale du travail,
il convient d'ajouter un certain nombre de facteurs tout aussi déterminants pour le développement du pays. Il fait bel et bien allusion au respect de la chose publique et à la gestion orthodoxe de nos ressources qui sont d'ailleurs limitées. L'exigence d'une morale républicaine comme vecteur essentiel du progrès s'impose à tous les citoyens. Comme l'a dit tantôt ce matin le Moufti par la prière de ce matin, j'en fais mienne toutes les préoccupations qu'il en a évoquées et demanderai aux Tchadiens de craindre la chose publique. Ça veut dire que si on ne craint pas, en fait, disons, le Dieu, on ne craint pas aussi de toucher à la chose publique. En tant qu'homme de foi, nous devrions, dans cette perspective, combattre sans relâche toute forme de corruption, de gabegie, piège des ressources publiques et l'anarchie sous toutes ses formes. السادة العلماء المشايخنا الكرام، ليست هناك حاجة لمناقشة مطولة للوضع الاقتصادي والمالي لبلادنا تشاد. أنا مقتنع بأن كل عامل يعرف مختلف الحالات والظروف التي تواجه تشاد في السنوات الأخيرة. زول ما بعرف الحالة التي تمر بها الآن تشاد ده ما فيه، سواء كان عامل أو مواطن ساكن. أخواني الأعزاء، لهذا الشرط الأساسي للأمل، فمن الضروري إضافة عدد معين من العوامل التي تحدد وتساعد على تنمية بلادنا تشاد. أنا بالفعل أشير إلى الاحترام والصرامة في إدارة مواردنا المحدودة. إن اشتراط التحلي بالأخلاق الوطنية والجمهورية باعتبارها العامل الأساسي للتقدم يجب أن تكون ثوابت ملزمة لجميع المواطنين والمواطنات، كما ذكره هذا الصباح مفتي الجمهورية أنه انشغالاته التي اهتم بها هذا الصباح أنا أعتبرها انشغالاتي أنا شخصيا، لأن الشخص الذي لم يخاف لم يحترم أموال الدولة إدارة شؤون الدولة، الإنسان اللي بيعمل مثل ده هو بلا شك شخص ما بخاف لله ذات. النادم اللي بخاف لله لازم بخاف أيضا للشيء لممتلكات هنا الوطن وهنا الدولة هنا الشعب التشادي. من هذا المنظور يجب أن نكافح الفساد بشدة وسوء الإدارة ونهب الموارد الأمن والفوضى بكل أشكالها. يجب أن تكون سلطة الدولة في هذا الصدد واضحة تماما وبشكل كامل. ستقوم الدولة وبقوة بقمع وضرب بدون شفقة أو تهاون كل أولئك الذين يتصرفون ضد قوانيننا. في هذا الكفاح أنا أدعوكم كزعماء الدينيين أن تساعدوا الحكومة. مسيار فرير لما l'autorité de l'État doit à cet égard se manifester pleinement et totalement. L'État va sévir de manière énergique et réprimer sans ménagement ni complaisance tout ce qui pose des actes contraires à l'esprit de nos lois. Dans cette lutte, la contribution et le concours de l'ensemble de leurs religieux sont aussi fortement sollicités. En votre qualité d'objecteur de conscience, vous devrez faire en amont un important travail de pédagogie basé sur la spiritualité. Et je sais que nos leaders de différentes confessions religieuses accomplissent déjà de manière fort remarquable ce travail de sensibilisation des fidèles sur des comportements vertueux et civiques. أخواني الأعزاء، يجب أن تكون هيبة الدولة وسلطان الدولة واضح تماما حتى تقوم الدولة بقوة ضد كل المخالفين
تقوم بحرب بقوة وبقمع بدون شفقة ولا رحمة لهؤلاء الذين يخالفون قوانين البلاد. وفي هذا الكفاح يتم أيضا طلب مساهمتكم وتدخل جميع القادة الدينيين بصفتكم كقادة روحانيين. سيكون عليكم القيام بالكثير من التربية الروحية والدينية من الأساس. وأنا أعلم أن قادتنا من الطوائف الدينية المختلفة يقومون بالفعل بطريقة رائعة جدا بهذا الأمل لتوعية المؤمنين بضرورة تبني السلوكيات الفاضلة والمدنية والحضرية. Mes chers frères ulama, je mesure pleinement le poids du travail que vous abattez dans vos différentes mosquées, dans vos prêches et sermons. Vous avez toujours véhiculé des messages axés sur des comportements vertueux et des conduites dignes. Cette mission de cette dose effort nécessaire pour nous tous et pour le progrès de notre pays. Je vous invite à redoubler l'ardeur dans la poursuite de cette mission noble et éminemment sacrée. Akhwani al-Aïza al-Ulama, ana uqaddir tamaman wazn wa hajm al-amal al-lazi taqoumouna bihi fi al-masajid al-mukhtalif. في خطبكم ومواعظكم كنتم تنقلون دائما رسائل الاستقامة الأخلاقية والسلوك الحميدة في الحياة الاجتماعية في بلادنا. إن مهمة الدعوة هذه ضرورية لنا جميعا ولتقدم بلادنا. لذا أدعوكم لمضاعفة جهودكم في السعي وراء هذه المهمة النبيلة والمقدسة بشكل بارز. Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques, mes chers frères ulama, avant de clore mon propos, je voudrais une fois de plus vous remercier pour toutes les louables actions que vous posez dans l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avons toujours besoin de vos prières, de vos méditations et de vos louanges. J'ai la conviction profonde qu'aucune œuvre durable et pérenne ne peut se construire sans la bénédiction et la grâce de Dieu, l'être suprême. Sur ce, je souhaite une excellente fête de Ramadan à tous les Tchadiens de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora, ainsi qu'à toute la communauté musulmane d'Afrique et du reste du monde. Je vous remercie. سيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أخواني الأعزاء العلماء، قبل أن أختتم خطابي أود أن أتقدم إليكم بالشكر مرة أخرى على جميع الخطوات والأعمال الجديرة بالثناء التي قمتم بها من أجل المصالح العليا والعظيمة لبلادنا تشاد. نحن دائما بحاجة إلى صلواتكم وابتهالاتكم ودعواتكم. لدي اقتناع عميق بأنه لا يمكن بناء أي عمل دائم وتواصل بدون طاعة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبهذا أتقدم بالتهاني القلبية والصادقة والأمان الطيبة لجميع التشادين داخل البلاد وأولئك الذين يعيشون في القارب المقتربين ولجميع المسلمين في إفريقيا وبقية دول العالم. وأشكركم وكل عام وأنتم بخير. Donc, vous venez là de suivre les vœux du Conseil supérieur des affaires islamiques prononcés ici par Cheikh Mamad Khadris à l'endroit du chef de l'État et ses dignitaires donc religieux. Ils implorent le Tout-Puissant pour l'unité, la paix qui anime donc les fidèles et surtout les fils et filles du Tchad, que cela continue sur cette voie et que ça se perfectionne. On a aussi parlé de la cohésion sociale et en retour, le chef de l'État a aussi présenté ses voeux à ces hommes de Dieu
et surtout le président de la République a demandé aux Tchadiens d'être vraiment des citoyens et des patriotes de cœur et non de parole. أما الآن ستتابعون معنا حيثيات تقديم التهاني من قبل القوى الفائلة بالبلاد بدءا برؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. تشاهدون معي الآن رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي يصافح رئيس الجمهورية ويقدم تهانيه الحارة، وبعد ذلك رئيس سمير آدم النور ورئيس المجلس الاقتصادي مختار عبد الرحمن محمد إلى جانب رئيس السلطة العليا للإعلام السمع البصري ديودوني جنبايا، وبعد من النواب البرلمانيين يقدمون تهانيهم الحارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نعم الآن الرؤساء الوزراء القدامى أيضا قدموا تهانيهم الحارة بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما رئيس الجمهورية دعا الجميع بأن يقفوا كوقفة رجل واحد بناء الجمهورية الجديدة في ظل الجمهورية الرابعة للخروج من جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو مستقبل باهر ومزيد من الاستقرار والتنمية المستدامة لأبناء بلاد توماي مهد البشرية. Voilà, là, ce sont déjà les membres du gouvernement, juste après les anciens premiers ministres qui ont emboîté le pas au président de l'Assemblée nationale et également aux anciens premiers ministres. Là, ce sont les membres du gouvernement, comme je le disais. Et après ceci, il y aura dans l'ordre les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Vous avez suivi dans l'ordre le ministre Ahmad Bashir, suivi de Diadala, de Shérif Issa et le ministre Arabi Aziz Doubraï. Et les dames tout à l'heure avaient le ministre de la communication Madeleine Alingué, suivi des Ashta et du ministre Abassala. Maintenant, ce sont toujours les membres du gouvernement et là ce sont les diplomates déjà qui ont emboîté le pas à ces membres du gouvernement. Tous sont venus présenter leurs vœux, le meilleur pour cette journée spéciale qui marque la fin du Ramadan. La fête Aïd Fitr al-Mubarak, qui est célébré toujours le premier jour du mois suivant, appelé communément Shawwal, qui est le 10e mois du calendrier musulman. Mamad Hassan, les présentations de vœux continuent, et là, ce sont toujours les diplomates et les représentants des organisations internationales qui œuvrent, les partenaires bien sûr de la République du Tchad sur le plan économique, culturel, social et même politique. أما المشاهدون الكرام حتى هذه اللحظة ما زلتم تتابعون معنا عبر شاشاتكم حيثيات النقل المباشر لمناسبة تقديم التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي. والآن تتابعون معنا أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد قدموا تهانيهم الحارة لرئيس الجمهورية. أما الآن جاء دور النواب أو البرلمانيين أيضا، هم اصطفوا لتقديم تهانيهم حسب الترتيبات والتشريفات البروتوكولية.
يقدمون تهانيهم إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس أدوبي إتنو بمناسبة هذا اليوم. فتتابعون معنا حتى هذه اللحظة النائب موسى قدام يصافح رئيس الجمهورية ويقدم تهانيه الحارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. بعد النواب البرلمانيين يأتي دور أعضاء المكتب المدني برئاسة الجمهورية ومن ثم المدراء والرؤساء الأقسام وكل الطاقم أو أمال رئاسة الجمهورية. أيضا هم سيقدمون تهانيهم الحارة لفخامة رئيس الجمهورية. للتذكير فإن رئيس الجمهورية أثناء رده لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دعا جميع التشاديين إلى التحلي باليغزة والحفاظ على المكاسب والتصرفات والأعمال الإيجابية والبناءة تفاديا لجميع المخالفات والوقوع إلى الأشياء التي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد. نحن الآن في ظل الجمهورية الرابعة وهذه الجمهورية تتطلب تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل والتماسك والتدامن من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والسماح للبلاد والوصول إلى مصاف الدول الساعدة بالحلول العام 2030. هذا ما دعا إليه رئيس الجمهورية جميع الشعب التشادي للتحلي باليغزة والحفاظ على مكتسبات الدولة، كما دعا دائما إلى السلام والاستقرار وأكد بأنه بالسلام والاستقرار سيتم بناء الأمة التشادية بسواعدها وتكون متينة وتبلغ الأهداف المنشودة وهي التنمية المستدامة والرقي والازدهار. وتتابعون حتى هذه اللحظة مناسبة تقديم التهاني من قبل النواب البرلمانيين، وبعد قليل سيأتي دور العمال أو أعضاء المكتب المدني برئاسة الجمهورية والمدراء وجميع الطاقم أو عمال رئاسة الجمهورية. Voilà, Mamata San, comme vous le pouvez constater ici, ce sont maintenant les élus du peuple qui présentent leurs vœux au président de la République Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement de la 4e République. Une quatrième république que le président a fait savoir qu'elle doit être portée par l'ensemble des Tchadiens. Et ces Tchadiens doivent donc privilégier l'efficacité dans le travail. C'est la voie la plus sûre pour parvenir à l'idéal tant souhaité. C'est donc l'exigence cardinale pour parvenir donc à construire un Tchad meilleur, un Tchad que nous voulons tous. Si vraiment les Tchadiens, dans leur majorité, prennent les choses sous cet angle, nous espérons que le Tchad va également changer de visage. Car c'est seul le travail qui est la baguette magique qui pourrait tout changer, et surtout l'honnêteté, le respect de la chose publique, les biens de l'État. Désormais, les responsables des départements ministériels sont avertis. Il faut donc veiller à ce que le bien de l'État ne soit pas utilisé à des fins personnelles, que le bien de l'État ne soit pas réduit
à la propriété d'un individu et que cela sert au développement de la nation. Et aussi, tout à l'heure, les ulémas, à travers Cheikh Kadrissa, ont évoqué aussi un aspect important, la main tendue du chef de l'État. Et cela ne devrait pas s'arrêter ici, au niveau de ce palais présidentiel, mais que les Tchadiens, en ce début du nouvel an, pour ceux qui viennent donc d'observer le mois saint, que ce soit un moment de pardon, réellement, que ce pardon ne soit pas constaté au bout des lèvres, mais que ça vienne du fond du cœur et que les Tchadiens sachent vraiment que les Tchadiens parviennent à se pardonner du fond du cœur. Et c'est à ce prix seulement qu'on pourrait construire le Tchad. Un Tchad de pardon, de tolérance. Le président de la République l'a bien évoqué. Nous faisons l'exception dans ce pays où chrétiens et musulmans ne se voient pas à travers cette image des religions, mais plutôt en tant que filles et fils d'une même nation et qui ont intérêt à défendre d'abord la nation tchadienne. Car le jour où on parlerait de l'homme tchadien, on ne cherchera même pas à voir cette identité chrétienne ou musulmane. C'est ce qui se manifeste à travers la prière de la paix, où chrétiens et musulmans se retrouvent ensemble pour exprimer leurs vœux de vivre en tant que tchadiens et que ce clivage religieux n'a rien à voir lorsqu'on veut vraiment construire le Tchad que nous devrons léguer à nos enfants, que ce soit un Tchad uni. Et c'est à partir de l'unité que vient la prospérité. Et avant qu'il y ait l'unité, il faut que nous soyons des Tchadiens dévoués, dignes des fils du Toumaï. N'est-ce pas, Mouata Hassan ? الوحدة والسلام والاستقرار هو الذي يضمن لنا جميع المكاسب ويسمح لنا بالمضي قدما إلى بلوغ أهدافنا المنشودة. المشاهدون الكرام، ما زلتم تتابعون معنا حيثيات النقل المباشر من قصر رئاسة الجمهورية، تقديم التحاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. أما الآن جاء دور ضباط الصف بالجيش الوطني التشادي، وهم أيضا اصطفوا لمصافحة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وللتذكير، فإن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى دعا الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي من النقابات الأمالية والحكومة على مواصلة الحوار الدائم من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وكما شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على دعمه السقي والمستمر للمجلس، والذي سمح للمجلس أداء مهمته النبيلة 400 إلى خدمة الوطن والمواطنين والتعايش السلمي والوحدة الوطنية. كما شكر أيضا الشعب التشادي على وقوفهم الدائم بجانب المجلس من أجله المضي قدما في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع أتباع الديانات المختلفة من أبناء الشعب التشادي، الشعب الواحد وفي وطن واحد للعيش سويا في ظل الحرية والديمقراطية. كما ذكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن جميع الشعب التشادي قد احتفل بميلاد الجمهورية الرابعة، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحدة لتحقيق المكاسب وبسط هيبة الدولة والسلطة من أجل الوصول
إلى الأهداف المنشودة، كما أن الجمهورية الرابعة تتطلب الكثير من التضحيات لرفع التحديات والمضي قدما من أجل تنفيذ جميع البرامج التي رسمها أبناء البلاد أثناء أعمال الملتقى الوطني الشامل الذي مهد الطريق لميلاد هذه الجمهورية. تتابعون معي حتى هذه اللحظة تقديم التهاني والتبريكات من قبل أعضاء أو من قبل ضباط الصف بالجيش الوطني التشادي، ونحن هنا من قصر من رئاسة الجمهورية نوافيكم بكل ما هو جديد من حيثيات تقديم التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 2018. Oui, Mamata-san, ce sont les officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale tchadienne qui continuent toujours à présenter leurs vœux au chef de l'État, le président de la République et chef du gouvernement, Idriss Déby Itno. Après, donc... Ces officiers généraux et supérieurs de l'armée viendront donc les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, le parti rassembleur qui a permis donc de débouter la dictature le 1er, c'est plutôt le 1er décembre 1990, lorsque cet homme à la tête des vaillants et vaillantes, des vaillants fils et vaillantes filles de ce pays ont sacrifié leur vie et leur âme pour pouvoir instaurer la démocratie au Tchad. Ce sont ces hommes qui méritent vraiment, n'est-ce pas, Mamad Hassan, au prix de leur sacrifice. Et là, ce sont déjà, je le disais tantôt, le bureau politique national du mouvement patriotique du salut, à sa tête, le secrétaire général, qui vient donc de présenter ses vœux. Voilà, nous le disions, Mamad Hassan, c'est donc une occasion de présenter ses vœux le meilleur et surtout en espérant que la prochaine sera encore meilleure. Donc ce sont les meilleures pensées et vœux de bonheur et de santé. Et là, nous allons une fois de plus revenir sur l'échange qu'il a eu tout à l'heure entre le chef donc de la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Kadrissa. Il faut dire qu'il a relevé des bonnes choses et au cours de son intervention par rapport à ses voeux, il a donc promis de travailler en amont pour pouvoir conscientiser les Tchadiens. Bien que les Tchadiens sont mûrs dans ce domaine, mais il faut dire qu'il y a encore quelques personnes qui traînent le pas et il est tout à fait normal de le faire comprendre que quand on est hors du Tchad, on est plus tranquille, on est mieux que chez soi. C'est pourquoi les Tchadiens doivent œuvrer pour qu'il règne la paix, l'unité, la cohésion sociale. Tout cela a été évoqué également par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, afin que le Tchad des années à venir ait un autre visage. Ils ont également imploré le Tout-Puissant pour qu'il y ait l'unité, la paix, la sécurité, la cohésion sociale.
Et c'est ça, Mamata-san, le rôle du religieux. C'est plutôt d'amener les hommes vers Dieu. Et Dieu demande toujours l'unité, la paix du cœur entre ses filles et ses fils. Et nous espérons que ce message serait donc relayé par les responsables dans les mosquées, dans les églises, un peu partout. Nous avons besoin de la paix parce que tout autour de nous, la paix est aussi menacée par des sectes qui naissent ça et là et qui ont toujours besoin du sang pour pouvoir réaliser leurs vœux. Le plus souvent, ce sont les sangs des innocents. La suite donc avec vous, Mamata-san. نعم الزميل لقد نوى توفيل المشاهدون الكرام تابعتم قبل قليل مندوب الحكومة لدى بلدية عين جميلة وعمد أو عمدة أمد الدوائر وعمدة بلدية عين جميلة. أما الآن فجاء دور رؤساء الأحزاب السياسية أو السياسيين، هم أيضا جاءوا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لتقديم التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دوبي إتنو. وبعد رؤساء الأحزاب السياسية سيأتي دور أعداء الغرفة التجارية، غرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية، وبعد ذلك يأتي المجلس الوطني لأرباب العمل، وبعد ذلك يأتي دور الرؤساء أو الأمناء العامون للنقابات العمالية بتشاد، إلى جانب ممثلي الديانات المسيحية من الكاثوليك والبروتستان والبنتكوتيست. وبعد ذلك يأتي دور رؤساء النقابات أو الأنظمة العمالية أو المهنية، وستختتم المناسبة بتقديم التهاني من قبل برلمان الأطفال والشخصيات المرجعية وبعض من المدعوين. وبذلك قد تتم مناسبة تقديم التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية اليوم 15 من يونيو 2018 أو أول يوم عيد الفطر المبارك. وللتذكير فإن رئيس الجمهورية أثناء خطابه شدد على ضرورة التماسك والتضامن والتحلي بالوحدة والتعايش السلمي من أجل استتباب الأمن والاستقرار الدائم، ولم شمل التشاديين من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما دعا أيضا رئيس المجلس الأعلى جميع الأطراف المشاركة اللجوء إلى الحوار الدائم من أجل الخروج من تلك الأزمات. تتابعون حتى هذه اللحظة تقديم التهاني من قبل رؤساء الأحزاب السياسية. Voilà, Mamata-san, on tend petit à petit donc vers la fin du programme établi ici pour le passage à l'occasion de cette journée de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, pour ce passage donc de présentation de vœux. Après donc le sultan de N'Djamena, les présidents secrétaires généraux des partis politiques, chefs de coalition. Nous avons tout à l'heure vu le président de la CCMA, le président du Conseil national du patronat tchadien, les présidents ou les secrétaires généraux des centrales syndicales du Tchad,
le passage des religieux. Voilà, il y aura les leaders religieux, catholiques, protestants et pentecôtistes. Ce sont donc ces religieux qui passent là. Il y aura également, après ces gens, les présidents des ordres professionnels. Et là, on va devoir suivre cet événement, la suite de cet événement, bien sûr, jusqu'à la fin. On aura le temps d'aller suivre 14h. Vois si c'est la dernière personne, tu me dis. Tu me lances? Pour qu'on rattrape la dernière personne. Voilà, un peu à tout, Topaï. Topaï, un peu à toi. Topaï. Ça va? Voilà, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, nous sommes presque à la fin de ces présentations de vœux, je le disais tantôt. Après, donc, le président des ordres professionnels et le président du Parlement des enfants et la presse, c'est donc des personnes ressources et autres invités. C'est donc les derniers sur la liste de présence par rapport à cette disposition de présentation de vœux à la présidence de la République, ici donc au palais présidentiel. Voilà. Tout est bien qui s'achemine petit à petit vers une bonne finalité.
une journée aussi, une matinée que je dirais un peu chargée pour le président de la République, Idriss Déby Itno. Voilà. Peut-être les dernières personnes, effectivement. Voilà. Et c'est donc la fin. Là, vous voyez des caméramans, des photographes qui ont été sollicités par le chef de l'État. Personnellement, leur a demandé de venir également exécuter le même geste que les autres. Quelle sympathie